au fait qu'il y a eu cette initiative vraiment que la paix de la femme se passe sur la paroisse, c'est-à-dire la fête. Aujourd'hui, il a donné cette grâce à toutes les femmes de pouvoir vraiment de pouvoir s'épanouir, de pouvoir vraiment faire quelque chose dans l'église, de pouvoir bâtir quelque chose dans l'église. C'est comment Mme Gabriel, la bergère du nouveau charismatique, nous avons mis ensemble un ministère femme du nouveau charismatique, c'est-à-dire qu'il travaille ensemble avec la paix pour que la paroisse soit guérie, pour que nous puissions trouver. Bonjour, je suis Madame Anne Vaquet-Diarraché, secrétaire générale de la FEC. Je voudrais dire bonjour d'abord à tous les paroissiens, à toutes les paroissiennes de NDA, nos mamans, nos filles, nos sœurs. C'est vraiment un honneur pour nous. C'est un grand jour pour nous d'abord de nous savoir magnifier dans le monde entier et en particulier sur notre paroisse NDA avec notre très cher père curé qui vraiment a tout mis en œuvre pour que cette fête en notre honneur soit belle et grandiose. Je voudrais vraiment dire toute ma reconnaissance à Dieu notre Père qui, au travers des femmes que nous sommes, a mis tout son pouvoir. Parce que la femme est la digne représentatrice, je dirais, de Dieu notre Père sur cette terre. Merci, tout simplement. Que le nom du Seigneur soit véritablement glorifié et que la femme se prenne vraiment au sérieux. Nous avons été édifiés, nous avons eu droit à un très très bel enseignement par notre sœur du Divin Amour. Et je crois qu'il y a des choses que nous savions, mais que nous ne considérons pas. Et aujourd'hui, c'est vraiment un nouveau départ, un moment pour que la femme se prenne véritablement au sérieux en considération dans cette société en perpétuel changement. Merci.